Et du coup, un peu plus rapide. Ok. Ça. D'accord. Donc toi, tu sors de la salle de bain, hein. T'as eu très chaud, t'as farfouillé dans ses affaires, t'as trouvé l'UDO, etc. Tu vois, voilà. Moi, je l'attends. Mais... Toi, t'es dans ton lit. Quand vous voulez. T'as pris mon déo ? Non. Bah si. Non, je te jure que non. On doit avoir le même. Ah bah, ils font des déos parfums hibiscus pour les hommes ? On devrait pas, t'sais. T'as pas envie ? Si, mais pas comme ça. Enfin, j'ai l'impression que t'as pas envie de moi, en vrai. Enfin, j'ai l'impression que c'est pour pas être seul. Enfin. Mais n'importe de quoi ? T'en fais pas, hein, ça va. Je vais rester, mais on n'est pas obligé de le faire. Merci. Ok. Je suis la première. C'est quoi Rentre, hein. Barre-toi. Mais attends, je dis ça, je voulais être sympa. Non, non, mais c'est bon, ça va. Lâche-moi, ok. Mais, ça va. Alors recommence. Vas-y, recommence et déploie bien en fait tes gestes. Prends le temps de voir ce, parce que d'un coup tu vois ta main quand même pleine, enfin il y a du sang. Là je sens pas que ça te fait quelque chose, hein. Okay. Tu vois, il vaut mieux là pour travailler qu'on accentue certaines réactions. Okay. Okay. Hein, pour les avoir, quoi, pour vraiment, faut marquer les choses. Ouais. Faut marquer les choses et après, voilà, rentrer dans le détail. On reprend du début. Ouais, on va reprendre du début. Allez. Oh, ça me. Pardon, je suis désolée, je m'en mêle un peu les pinceaux avec ça. En fait, je veux bien que tu me les fasses passer au fur et à mesure, comme une tourneuse de page de musique. Merci. Allez-y. T'as pris mon déo ? Non. Bah, si. Non, je te jure que non. On doit avoir le même. Ils font des déos parfums hibiscus pour les hommes ? On devrait pas. Mais t'as pas envie ? Non, mais t'as pas envie de moi en vrai. Enfin, t'sais. Non mais enfin, j'ai l'impression que tu fais ça parce qu'il y a personne d'autre. T'as pas envie d'être seul, quoi. Mais n'importe quoi. Non mais t'en fais pas, hein, ça va. On est pas obligé de le faire. Je vais rester. Tu sais quoi ? Rentre, hein ? Barre-toi. Non mais attends, ça va être sympa. Non, c'est bon là, c'est bon, ok ? Lâche-moi. Sophie Girard. Beaucoup, ça va, oui. Oui. C'est pas une hémorragie alors. Ok. Merci docteur. Bon, si dans 2 heures tu saignes toujours et toutes les 20 minutes tu changes de serviette, on va à la clinique. Ok. Tu peux m'apporter une serviette s'il te plaît ? Oui, d'accord. Oh. Mais non, pas ce genre de serviette ! Ah oui. Oh.
un Doliprane ? Oh, j'en ai déjà pris un, putain, ça marche pas. J'ai trop mal. Ils disent que c'est comme un accouchement. Tu veux qu'on aille à la clinique ? Non. Alors, tu viens pas ? Non, merci. Mais t'es sûr ? T'as l'air de crever de chaud. Toi aussi. Ça va mieux. Tu crois que c'est l'œuf ? Ça ressemble pas à un œuf, ça. C'est vraiment dégueulasse. Je regarde. Peut-être qu'il y a d'autres filles qui ont déjà eu ça, non ? Ouais, c'est tout quelque chose de différent. On fait quoi alors ? Ah, je sais. Je vais prendre une photo et je l'envoie à la gynéco. Et elle nous dira si c'est bon ou non. C'est bon, c'est... Faut vider la baignoire maintenant. Laisse. Je fais. Ok. Ce serait bien que, tu vois, dans la dernière scène, il y a ce moment où tu plonges la main dans l'eau. Enfin, de sentir que tu plonges la main dans l'eau. Oui, d'accord. D'accord. Ok. Et que toi, tu regardes ça aussi. Vous découvrez tous les deux cette chose-là à laquelle vous êtes, tu es confronté, évidemment, à cause d'elle. Tu vois, c'est quand même elle qui t'a mis dans ce pétrin là. Donc, et toi, tu voilà, je pense qu'il y a évidemment, tu seras plus jamais la même à l'issue de cette journée. Tu seras plus la même le lendemain quand tu vas te réveiller. Tu seras autre chose. Tu verras les choses un peu différemment. Et là, tu es encore en train de découvrir ce qui se passe. Et donc, il y a à la fois cette... voilà, on est dans un moment un peu comme ça. Et j'aimerais bien voilà, qu'on travaille un petit peu à la fois sur l'enfance encore de tous les deux, sur un rapport amoureux voilà, de gens jeunes, voilà, Tinder, machin, les conneries, les trucs et tout. Bon. Et puis, inlassablement, vous êtes replongé vers quelque chose de très dramatique, quoi. C'est bon pour vous ? Ouais. Ok. T'as pris mon déo ? Non. Ben si. Non, je te jure que non. On doit avoir le même. Ils font des déos parfums hibiscus pour les hommes ? Ouais. On devrait pas. C'est... T'as pas envie ? Si, mais... Enfin, t'as pas envie de moi, en vrai. C'est... Enfin, voilà, j'ai l'impression que tu fais ça parce que t'as pas envie d'être... Y a personne d'autre, t'as pas envie d'être seule.
Mais n'importe quoi, enfin... Mais t'en fais pas, hein. On n'est pas obligé de le faire. Je vais rester. Tu sais quoi, rentre. Pars-toi. Non mais attends, je disais ça pour être sympa, je... C'est bon, ok, lâche-moi. Ça va? Oui. Oui. Ça va. Pas beaucoup. Girard? Sophie Girard. C'est pas une hémorragie alors? D'accord. Merci docteur. Bon, si tu saignes encore dans 2 heures et que tu as besoin de mettre des serviettes pendant 20 minutes, on va à la clinique. Tu peux aller me chercher une serviette s'il te plaît? Ouais, d'accord. Ouais. Mais non, mais pas ce genre de serviette. Ah oui. Tiens. Tu as un Doliprane? Non, j'en ai déjà pris un, ça marche pas. Sur internet, ils disent que c'est comme un accouchement. Tu veux qu'on aille à la clinique? Bah alors, tu viens pas? Non, merci. T'es sûr? T'as l'air de crever de chaud, là. À toi aussi. Ça va mieux. Ah! Ah, putain! Tu crois que c'est l'œuf, ça? Ça ressemble pas à un œuf, ce truc. C'est vraiment dégueulasse. Je regarde. Peut-être des filles qui ont déjà eu ça. Hein. Elles disent tout un truc différent. C'est... On fait quoi alors? Je sais. Je vais prendre une photo et je l'envoie à la gynéco et elle me dit si c'est bon ou pas. C'est ça, c'est bon. Faut vider la baignoire maintenant. Oui. Laisse. Je le fais. C'est chaud.
C'est normal. Tu veux prendre une douche ? Très bien. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est bien ? Okay, quand vous voulez. Si, t'as mis mon déo. Non, je te jure que non. On a peut-être le même. Ils font des déos parfum hibiscus pour les hommes maintenant. En vrai, je pense qu'on devrait pas quand même. T'as pas envie? Si, mais c'est juste que. Je sais pas, je. Je me dis que pas comme ça en fait, pas maintenant. Enfin, en vrai, pour être honnête, j'ai l'impression que tu fais ça parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut être avec toi et du coup que tu n'as pas envie d'être seul. N'importe quoi. Mais t'inquiète, hein, tu vois, moi je suis pas obligé de le faire. Je peux rester avec toi, ça me dérange pas de t'accompagner. C'est quoi ? Barre-toi. Non, mais, rentre. Mais j'essaie juste d'être sympa, tu non, vois. Non, mais c'est bon, lâche-moi. Ça va, tu vois là? Putain, tu saignes. Putain, mais c'est quoi ça? Attends, tu veux que j'appelle les pompiers? Attends, je vais appeler les pompiers. Ça t'en fait quoi? Il s'appelle comment ton médecin? Hein? J'en ai pas. Enfin, mais t'as bien un médecin quand même, il a bien un prénom, hein? Que je recherche sur internet. Appelle le SOS médecin, je sais pas. Vas-y, attends, j'appelle SOS médecin. Allô ? Oui, bonjour. Je suis avec une fille, elle s'appelle Sophie. Sophie Girard, oui, exactement. Ouais, elle saigne. Et, ok. Ah, d'accord. Non, c'est pas une hémorragie. Ok. Et bah je sais pas. D'accord. Ok, bah merci beaucoup monsieur. Ok, pas trop là, on vous rappellera s'il se passe quelque chose. Merci beaucoup. Bon, ils ont dit que c'est pas une hémorragie et que bon, si tu saignes encore dans les 2 heures et qu'il faut changer encore la serviette, il faut peut-être aller à la clinique. Tu peux m'apporter une serviette s'il te plaît? Ouais, vas-y, pas de problème. Mais pas ce genre de serviette. Ouais, vas-y, ouais, ça va. Hop là. Tu veux un Doliprane, quelque chose comme ça? Non, j'en ai déjà pris un, ça marche pas, j'ai trop mal là. Tu veux qu'on aille dans ta salle de bain, que peut-être sur internet, il y en a qui disent ça. Tu veux du partage, je vais regarder sur internet. Ah ouais. Sur internet, il y en a qui disent que c'est un peu comme un accouchement, tu vois. C'est pour ça que ça fait mal. Mais en vrai, c'est la bonne phase en fait. C'est que c'est le bon moment en fait. Tu veux aller à la clinique? Tu veux aller à la clinique? Je peux t'accompagner, ça ne me dérange pas. Si vraiment t'as mal, je m'y vais. Mais tu préfères rester ici?
T'as mis mon déo ? Non. Bah si. Non, je te jure que non. Je pense qu'on a le même. Je pense que c'est un déo. Ils font des déos parfum hibiscus pour les hommes ? En vrai, pas comme ça. Enfin, on devrait pas. T'as pas envie ? Si, mais c'est juste que j'ai l'impression que tu fais ça parce que y a personne d'autre qui peut rester avec toi et que tu veux pas te sentir toute seule. Et du coup que je suis là, quoi. Mais n'importe quoi. Mais t'inquiète, hein, ça me dérange pas de rester avec toi et tout. On n'est pas obligé de le faire. Tu sais quoi ? Barre-toi. Non, mais... Rentre. Non, mais j'essaie juste d'être sympa, c'est tout. Lâche-moi, c'est bon. Pardon, je coupe parce que au moment où tu traverses, c'est là où elle trébuche et que tu te casses la gueule, non ? C'est ça qui ouais, se passe. Ouais, c'est ça, mais ouais. Mais je pensais que t'allais faire le A, genre comme tout à l'heure, en fait. Ah oui, d'un coup, ouais. Non, elle vraiment fait A une fois qu'elle est tombée. Parce que moi, je suis en train de faire mes baskets, c'est ça ? Je suis oui en train de remettre mes baskets. Toi, une fois qu'elle t'a basé, là, ouais, parce que je pensais qu'elle allait crier genre A comme juste avant. Non, hein, elle crie après. Oui. Elle crie après, oui. Ah. Et oui, donc toi, une fois qu'elle t'a basé, là, tu t'accroupis pour refaire tes lacets. Ouais. Et toi, t'es un peu là, tu, pof, tu t'embranches sur lui. C'est là que tu tombes et c'est là que qui voit du sang. Qui voit du sang. D'accord ? Okay. C'est bon, lâche-moi. Ouais, attends. Ok. Non, mais j'essaie juste d'être sympa avec toi. Non, mais c'est bon, lâche-moi. Aïe. Ça va ? Oh. Oh, mais tu saignes. Attends, je... Attends. Je vais appeler... Allô ? Oui, bonjour. Je suis avec Sophie, oui. Sophie Girard, c'est ça ? Ouais, elle saigne. Je sais pas. D'accord. Ok, non, c'est pas une hémorragie. D'accord, c'est pas une hémorragie. Ok, bah merci. D'accord. Au revoir. C'est pas une hémorragie. Et du coup, le médecin, il a dit que si dans les 2 heures, tu continues à saigner comme ça et qu'il faut changer encore tes serviettes, ben, il faut aller à la clinique. Tu peux m'apporter une serviette, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Et pas ce genre de serviette ? Ah ouais, ok. Non, j'en ai déjà pris un, ça marche pas, j'ai trop mal. Tu veux qu'on aille à la clinique ? Tu viens pas ? Non, c'est bon. Merci. T'es sûr, t'as l'air d'avoir un peu chaud là. Toi aussi. C'est bon, détends-toi. Wow. Tu crois que c'est l'œuf ? Oh. Oh, je crois que c'est ça, ça. Alors, elle se lève d'un bond de la baignoire, hein. Ça ressemble à un œuf, ouais. Ça ressemble pas à un œuf, ce truc. Ça ressemble pas à un œuf, ce truc-là. Tu
tu veux que je vérifie ce que c'est? Peut-être que d'autres filles ont eu la même chose. Peut-être que d'autres filles elles ont déjà eu la même chose. Ça c'est bizarre. Elle dit toutes des trucs différents. Bah, tu sais quoi, je pense que je vais prendre en photo. Mais on fait quoi alors là? Je vais prendre en photo et je vais l'envoyer au gynéco et il nous dira ce que c'est. Ouais, c'est bon, c'est ça. Faut vider la baignoire maintenant. Non, vas-y, laisse, c'est bon, je vais le faire. C'est bon. Bon. Alors. C'est bien, il faudrait un peu accélérer le rythme. Tu vois, faudrait un peu accélérer le rythme. Il faudrait juste bien mémoriser un petit peu les enchaînements. Les enchaînements pour pas qu'il y ait ces moments de flottement comme ça. T'as mis mon déo? Non. Bah si. Je te jure que non. On a peut-être le même. Ils font des parfums hibiscus pour les hommes maintenant. On ne devrait pas. T'as pas envie? Si, si. Mais là, c'est juste que j'ai l'impression que tu fais ça juste parce qu'il n'y a personne qui peut être avec toi et du coup, t'as pas envie de rester toute seule. Mais n'importe quoi. Mais tu sais, moi, ça ne me dérange pas de ne pas le faire. Vraiment, je reste avec toi. C'est très bien aussi comme ça. Tu sais quoi? Rentre. Non, mais je dis... Barre-toi! Non, mais j'essaie juste d'être sympa avec toi. Non, mais c'est bon, lâche-moi! Ah! Ça va? Putain, mais tu sais... Oh. Attends, t'en fais pas. Allô? Oui, je suis avec Sophie, oui. Sophie Girard, c'est ça, ouais. Ouais, elle est avec moi, là. Elle saigne, oui, oui. Je sais pas. Ok. D'accord. Ah, c'est pas une hémorragie. Ok, ok. C'est pas une hémorragie. D'accord. Merci, docteur. Merci. Au revoir. Et t'en fais pas, c'est pas une hémorragie. Elle m'a juste dit que si dans les 2 heures qui suivent, là, tu saignes encore et que tu changes encore de serviette, et ben, il faut aller aux urgences. Ok, tu peux m'apporter une serviette? Ouais, vas-y, pas de problème. Tiens, mais là, ça ira, je pense. Mais pas ce genre de serviette? Ah ouais, excuse-moi. Les autres? Merci. Ça va? Tu veux un Doliprane? Non, j'en ai déjà pris un, ça marche pas. J'ai trop mal. Tu veux qu'on aille à la clinique alors? Tu veux pas venir? Non, merci. T'es sûr? Ouais, t'as l'air d'avoir un petit peu chaud là. Toi aussi t'as chaud là, non? Ça va mieux. Ça va mieux. Tu peux t'approcher d'elle un peu. Pardon.
C'est bon, détente. C'est quoi là? Tu crois que c'est l'œuf? Ah mais ça ressemble à un œuf ça. Attends, je vais regarder sur internet. Putain, elles ont toutes des avis différentes là, je comprends pas. On fait quoi alors? Attends, tu sais quoi, je vais prendre en photo, je vais envoyer ça à la gynéco. On va me dire c'est quoi. C'est bon, c'est ça, ouais. Vous videz la baignoire, maman. Attends, je vais le faire. Non, laisse. Je vais le faire. Des lentilles. Ça te va bien? C'est pour moi. Je suis myope. Ça, je te vois. Désolé. Très bien. Bon, c'est pas mal. Quand vous voulez. T'as pris mon déo? Non. Ben si. Ben non, je te jure que non. Ah, mais on doit avoir le même. Ah, ils font des déos parfum hibiscus pour les hommes. Non, on ne devrait pas. T'as pas envie? Ah si, mais pas comme ça, là. T'as pas envie de moi, en vrai. J'ai l'impression que tu fais ça parce que t'as personne d'autre pour être avec toi. T'as pas envie d'être seul, quoi. N'importe quoi. Non, mais c'est bon. T'en fais pas, de toute façon, ça va. On n'a pas besoin de le faire, quoi. Je serai là. C'est quoi ? Un vrai partage. Rentre chez toi. Mais attends, j'essaie juste d'être sympa avec toi. Non mais c'est bon, lâche-moi, rentre chez toi. Ah. Ça va? Ah, putain, c'est horrible. Oui. Putain. Oui, Gérard. Sophie Gérard. Oui, elle saigne là. Pas beaucoup. Non, je sais pas ça. Oui. Mais alors, d'accord, c'est pas une hémorragie? Oui? On doit faire quoi, là? Ok, d'accord. Merci, docteur. Elle dit que si tu saignes encore dans 2 heures, tu dois changer de serviette toutes les 20 minutes, on va à la clinique. Putain. Tu peux me ramener une serviette? Oui, bien sûr. Ah! Non, mais c'est pas ça la serviette que je te demandais là. C'est pas ce genre de serviette, c'est une serviette. Putain. Ah oui, d'accord. Ah! C'est horrible, putain! Tu veux un Doliprane? J'en ai déjà pris, ça marche pas, ça fait trop mal.
veux bien te rapprocher, s'il te plaît. Sur Internet, il y en a qui disent que c'est un peu comme accoucher. Bon, tu veux qu'on aille à la clinique ? Vas-y, aide-moi. Alors, la baignoire, c'est ici. Tu mets tes pieds comme ça. Alors, tu peux t'asseoir là, s'il te plaît, c'est mieux pour nous. Moi ? Non, elle. Ah, pardon. Alors, tu viens voir ? Non, merci. T'es sûr ? Ça a l'air d'avoir chaud, là, non ? Ouais, toi aussi, hein. Non, ça va mieux, là. Non, mais arrête, c'est sérieux, ça ? Ah ! Mais ouais. Tu crois que c'est l'œuf ? Je sais pas, ça ressemble pas à un œuf, ce truc. C'est vraiment dégueu. Enfin, je regarde si ça se trouve. On fait quoi là ? Si ça se trouve, il y a d'autres nanas qui ont eu la même chose. Bah, évidemment, ils disent tout un truc de différent. Donc... Attends, je sais. J'envoie la gynéco comme ça, elle nous dira si c'est bon ou pas. Hop. Faut qu'on vide la baignoire. Ah, hop. Alors, c'est ça. C'est bon. Faut qu'on enlève l'eau en fait. Non, vas-y, là, je vais faire. Ok. Bon. C'est... Ouais, c'est le rythme. Alors, moi, en fait, je pense que vous devriez vous se connecter plus, non ? Oui, alors ça va venir. Mais si tu veux, je pense qu'il faut vous attacher à des choses concrètes aussi. Parce que par exemple, quand tu fais la photo de cette chose qui est au fond de la baignoire, t'es hyper loin, tu vois ? Et d'ailleurs, de manière générale, tu es très loin d'elle. Eh oui. Alors j'aimerais bien que tu te rapproches un peu d'elle de manière et de la scène en fait, parce que tu vois aussi pour te filmer, enfin pour vous filmer tous les deux dans la scène. Ah mais en fait parce que je croyais que vous la filmiez d'abord. Non elle, là je vous filme tous les deux, si tu vois. Vois pas, et, ouais. Oui non j'ai compris que il y avait quelque chose comme ça, mais du coup j'aimerais bien que vous soyez okay. Plus. Ok. Tu prends mon déo ? Non. Bah si. Mais non, je te jure que non. On doit avoir le même, je pense. C'est le même. Oui, ils font des déodorants à l'hibiscus pour les hommes. À l'hibiscus. Ouais. Non, mais on ne devrait pas. Pourquoi ? Ben, enfin, je sais pas, j'ai pas envie comme ça, là. T'as pas envie de moi, en vrai, là. J'ai l'impression que tu fais ça parce que t'as pas envie d'être toute seule. T'as peur d'être seule, quoi. N'importe quoi. Non, mais c'est pas grave, hein. Je veux dire, t'en fais pas, on n'est pas obligé de le faire et je vais rester, de toute façon. Mais tu sais quoi, prends tes affaires et barre-toi, en fait. Mais attends, si moi, j'essaie juste d'être sympa avec toi. Non, mais laisse-moi. Ah, putain.
putain, ça va? Oula. Ok. On ah, putain. Ok, alors, je... Ah. Je peux pas mettre... Oui, 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 elle saigne. Pardon, oui, Gérard, Sophie, Gérard, R-R-D, Gérard, à la fin, comme Gérard, oui. Bah, pas beaucoup, non. Je sais pas. Mais c'est pas une hémorragie, alors ? D'accord. Putain. Oui. Eh ben... Ah, d'accord. Merci. Merci, docteur. Bon. Alors, elle dit que si jamais tu saignes dans 2 heures, ou si t'as toutes les 20 minutes, on doit changer des serviettes, là, on va à la clinique. Tu peux me ramener une serviette ? Oui, bien sûr. Non, mais non, pas ça, pas ça comme serviette. Quoi ? Une serviette. Ah, putain, ça. Ah, c'est horrible. Bah, attends, tu veux un Doliprane ? J'en ai déjà pris, mais ça marche pas. Ça fait trop mal. Alors, sur Internet, il y en a qui disent que c'est un peu comme, comme quand t'accouches. Bon, c'est... Tu veux qu'on aille à la clinique ? Sinon, tu peux m'aider à... Non. Ah. Allez, hop. Et voilà. Ah, putain. Mais alors, tu viens pas ? Ah non, 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 non. Non, t'étais sûr ? Oui, oui. T'as l'air d'avoir chaud pourtant. Non ? Ben, toi aussi. Non, moi ça va. Arrête ! T'es sérieuse là ? Tu crois que c'est l'œuf ? Je sais pas, ça ressemble pas à un œuf ce truc là. C'est dégueu, hein. Là, attends, je regarde, parce que si ça se trouve, il y a d'autres nanas qui ont eu la même chose. Bah, je sais pas, il y a quelque chose de différent, donc... Qu'est-ce qu'on... Attends, bah je sais, je... Attends... Voilà, je l'envoie à la gynéco, comme ça elle va nous dire si c'est bon ou pas. Voilà. Alors, hop, c'est ça. C'est bon. Faut qu'on vide la baignoire. Ah oui. Non, non, celle-là, je vais le faire. Oui. Ah, putain. Arrête, non, ouais, ça, c'est bon, non, quoi. Tu crois que ça va où ? Bah, je sais pas, mais loin. J'espère que ça va loin. Il sent bon, mon déo. Ah oui, c'est... Ok. J'ai oublié de mettre plus d'énergie. Bah, non, putain, mais bon, à un moment, si ça vient pas comme ça, ça vient pas comme ça. Ouais. Bah, tu vois, voilà, c'est pas forcément peut-être un rythme que tu as envie d'exploiter, quoi. Je crois que moi j'ai trop peur d'être en surjeu, en fait.